Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plein de petits passés une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On fait le défi du tirage molosse de l'Ève, les gars. Donc, je vais vous donner des petits conseils. Tout ça avant que les vidéos commencent. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, vraiment, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça me soutient vraiment énormément. Si vous avez des questions, les gars, c'est sur Insta. Si vous avez des propositions de deck pour que vous voulez que je le présente, c'est dans les commentaires. Et puis, on part dans cette première game. Ok, on prend la charrette qui est très très forte, hein. Ouais, bah, chasseur sans aucun doute. MG sans aucun doute. Ça peut-être de prendre le cimetière, hein. Après, t'as pas mal de choses pour défendre le cimetière. Prends le GR, on prend le GR. J'ai des cartes qui vont bien que le GR. Qui est parfois dans la snowball, ça c'est pareil pour la manette squelette. Et on met une petite MG au fond map. Ok. Wow. Agressif le... Ah ouais. D'accord. Très bien. Lui joue au jeu de celui qui envoie le plus au point et gagne, c'est ça? C'est strictement rien ce qu'il vient de faire. Juste ça pour quand même prendre la tour. Ah déjà. Ouais, cycle vite, hein. Il a tout mis au pont. Oui. What? Ok. C'est quoi cette sorcière éclatée là? Je connais, c'est la tentée de pré-shot, il a raté ça. Bon, là on est tous sur un petit. Ok. Voilà les gars, je vous le dis, je vais avoir un push après. Mec, calme. Dommage d'avoir 200 gobelins frère sur le terrain. D'accord, donc là mon soin il a décidé d'accord. C'est bien. Ouais, heureux, du coup. Franchement le mec est pas fameux, hein. Wesh, toujours plus de squelettes. J'ai mis expliqué, hein, je vais pas mettre le GR, bon c'est pas grave. Ok, bon, tant mieux. Bon. Hop. Et voilà, petite win, petite 3 couronnes des familles. Ça fait toujours plaisir de faire les 3 couronnes. Malgré. Ça, vous avez vu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Petit jeton, ça fait plaisir. Allez, on passe dans le deuxième game. Voilà, cimetière sans hésiter. Ouais, non, mais frère, là aussi, les choix. Un petit conseil, prenez jamais le gomme d'élixir. Hein. Vraiment, un petit conseil, ne prenez jamais le gomme d'élixir. Ouais. Peut-être tu prends le bombeur avec le zéro voleuse, mais vas-y, je me dis, c'est plus polyvalent. Voilà, j'ai un deck, c'est une catastrophe. Voilà, oh là là, oh là là. Voilà, cimetière. Aïe, aïe. Ah, yes, en plus, ça fait plaisir d'entendre mon Arkix. Des bonnes nouvelles, hein. J'annonce. Le coin de snowball, ça c'est pas mal. Bon, bah, go. Écoutez, vous dites quoi? Bon, j'ai pas plus défendre que ça. Je vais assumer, je vais prendre 1000 de dégâts, c'est pas grave. Ouais bon, peut-être pas abusé d'une paille non plus.
Généralement, j'ai une batterie à chaque vidéo, genre, c'est terrible ça. Et je continue à spam. Ok. Ok, on va gagner un petit peu avec, ça peut mettre une petite. On peut remettre un molos. Oh mec, son bourreau frère, il vient de faire quoi là? Moi j'ai pas vu la tour. Ah si, mais il m'a pas dit tout pont, j'ai oublié. Mais t'as mais fait t'es dans mon deck aussi. Y'a rien dans le deck. Oh là. Non mais frère, mon arty. Non mais. J'ai une arty en papier frère. Non. Non mais je veux bien jouer, il a pas envie de faire un effort mais quand même. Bon. Dis pas hein. La prochaine chose c'est pas avoir de lead, je sais qu'il y a les maîtres. Je peux recycler ça, ça me sert à rien. Voilà, vous verrez pas ce fond du gameplay comme ça les gars, je vous le dis direct. Archiste de Molos cimetière. Intéressant. Un cimetière qu'une artificielle en plus, tout ce qui est plus réaliste quoi. J'aurais pu ne pas gaspiller d'Alex par contre. On va remettre une artie, hein, écoutez. Allez, par contre, frère, ouais, je suis bourreau. Pardon. C'est... Où je serais fumé. Oh le chien est pré-shot. Il est pré-shot ce chien. Attendez. Je vous jure, il m'a gavé là. Alors en pire combo ever, hein. Vraiment. Catastrophe cette game. Catastrophe. Catastrophique cette game. Moi j'ai soif. Allez, petit cup de food. Je me dérecrute du colis. Parfait, petit recrue s'il vous plaît. On a un petit mot à la fin qui a pas me servi à grand chose. Ok, couche royaux sans hésiter. Ok, prince sans hésiter. Mousquetaire sans hésiter. Et un vrai bûcheron. On a un deck cher, mais. Mais. On va être bien, je pense qu'ils vont nous donner des. Il n'y a pas de nouvelles munitions, j'espère. Oh putain, encore ce putain de molos, bah lui, forcément, il y a le molos dans toutes les. Ok, bon, on a un D2, ça sera le molos D2, c'est pas dégueu. Oh putain. Ok, bon. Je vois. Oui. Le jeu a pas forcément envie de nous gâter. On prend, ça va faire ouvrir en deux là. Ok, ça. Bon, molos, cochon royaux, bûcheron saisie. D'accord. Ok, ok. Le colis. Il a les deux cartes les plus fortes du jeu. Let's go. Ça va ? À l'aide. Oh putain, il est hors de j'ai pas de sort. Oh putain, ça m'énerve. Mais il est tout con, je vais le faire ouvrir en deux. Merde, la batterie de mon iPad, j'avais oublié. On est pousse.
Et je vous jure, je regardais pas. Attendez, je vais brancher mon iPad parce qu'il s'est éteint sinon. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je suis de retour. Excusez-moi, des petits problèmes techniques. Merde, je m'explique. Comment ça va? Regardez-moi ce push. Il est une horde. Ouais. Ouais, son colis va être problématique, hein. Son colis va être très problématique. Ça va être problématique tout ça. Même bûcheron, on a un mousquetaire, mais bah ça, on va avoir des soucis. Hein. On va avoir des petits soucis techniques pour passer là. Voilà, par contre, hop, ça part. Ok, c'est bon, la win. Okay. Hop. La sorte, il n'y a pas la mèche, je pense pas. Je pense pas, il va. Oh, attends, mais c'est vrai que ça défend ça. Là, même si mes ordres, je pense que c'est fini en. Ouais. Tort. Let's go. Ça fait plaisir. Nous retrouvons dans cette vidéo. Les bugs de coups et tout, c'est bon. Ok, snowball. On prend toujours au plus polyvalent dans le tirage général. Voilà, là on a un deck parfait. Lui par contre, frère, foreuse guérisseuse là. Ça va être sympa, oui. Ça va être sympa. Oui. Sympa pour qui, ça je sais pas. Je sais pas trop, mais. Oh non, mais frère, j'ai rien pour défendre. Non, mais. Alors, en plus d'avoir rien pour défendre ce genre de trop, j'ai une double condition qui ne va pas ensemble. D'ailleurs, le mec, il joue entre Molosse et genre de trop, quand même, tu sais. C'est rentable, c'est rentable. En fait, tu fasses quoi contre un. Ah non, mais. Bah go assumer hein. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi? Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Le 6, il n'y a pas de bâtiment frère, ça sert à rien. Il sert à que d'être le 6. Ouais, en plus il est armé squelette, c'est génial. Ah, la gueule du match-up quoi. Ok, 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 je vois, je vois. En vrai, là, il y a moyen de tenter un truc, hein. D'accord. Apparemment, c'est pas son souci. Ah bah, pas mal, ça. Beau collier, en tout cas. Hein. Très bien, beau collier. Oh, le mec, il a con, hein. Oh, putain, là, deck 2. Waouh. Il a un très très bon deck, le frérot, quand même, en face. Ok, ça part, Molos. Cette fois on a la Valkyrie pour la Musculte, ce qui va être pas mal. Est-ce que les gars, on va pas se mytho que le géant est 3 et je m'en bats pas un peu les Yux. On va tenter une expérience. Je promets rien. On va quand même défendre. J'ai décidé de défendre pour mon bien. Bien de ma tour. Waouh. Et là j'ai bien fait de défendre.
ultra prévisible quand même. Hein. J'attendais qu'il soit quand même un tout petit peu moins prévisible. J'avoue que l'impression qu'il va être là instant. Alors qu'il sait que t'es là. J'ai fait la même. Bah, tout compris, mais tant mieux. Allez, c'est parti, on récupère vite fait l'or. Putain, elle est longue, elle va être longue la vidéo. Hein. Ok, bon, lui, je crois qu'il y a une fausse nécessité. Oh frère, oh. Parce que c'est chaud, genre. Je pense que si j'ai un ballon, c'est Gucci. Mais frère, mais t'es pas. En vrai, si j'ai un clone, c'est sympa. Mais... Oh. Là, s'il me donne un clone, ça peut être sympa. Bon, lui, il a un deck qui ressemble à rien. Ok, en vrai, j'ai une amie, c'est pas mal. J'ai un dart. Il manque une carte qui c'est quoi que j'ai pas. Et le séisme encore. Il sert toujours à rien, on rappelle. Oh là là, il me redonne un Night Witch. Moi j'aurais été Gucci. Et ça fumait son chasseur. Ça va être très rapide cette game. Hein. Cette game aurait été assez rapide, assez expéditive à post météo. Ok, parfait. Game suivante. Putain, mais ça m'arrange une game rapide. Parce que j'avoue que là, il a dû jouer dans 3h30. Je suis un peu éclaté. On va pas se le cacher. Allez, c'est parti. Dernière game de la vidéo, les gars. Une petite fournaise, évidemment. Petit collier. Hein. Collier, la meilleure carte du jeu. On discute. Ok, bah nickel, là, on va pouvoir bien gratter là. Ça va être sympathique. Bien gratter sa mère. Oh, cimetière, oh, zappies. Oh, j'aime beaucoup. Ok, bon, par contre. Ouais, mineur cimetière, je suis pas fan. Bon, lui, par contre, il est un petit peu trop cul, apparemment. Quoi d'autre? Oh, Drumskate, ça c'est bien ça. Ça c'est relou. Ça, parce que j'aime. Ça, je suis mon colis maintenant. Est-ce que je tente le mineur cimetière? C'est un fou, sans j'ai le dard derrière pour attraper le coup. Ah, le gang va être relou, j'aurais dû prendre le snowball. Ouais, c'est... On met des électrocuteurs. Ok, un Tessa snowball, c'est pas mal. Ok, une petite foufou. Ah. La petite fournaise qui va carry, je vous dis, c'est cette fournaise va carry. Ah, par contre, c'était complètement taré là. Pierre gobelin encore. Oh, il a plus de gang. Il a plus rien pour mon cimetière là. Il a recyclé 3 cartes. Vas-y, je le retente. Je le mets là. Merde, je me suis cliqué, c'est pas grave. Ça devrait être déjà le snowball pour le cimetière, donc ça c'est pas mal. Waouh, il se passe le snowball au pire. Pire des cas, au pire du pire. Oh, je suis bien contre le Manos en fait. J'ai 3 anti-riens, 4 anti-riens très très solides. Ouais, allez, hop. Voilà. Et lui, il fait pas d'effort lui aussi. Oh non, lui il fait vraiment pas d'effort par contre. Ouais. Fou. Allez, let's go. Clean, voilà.
En tout cas, les gars, j'espère que j'ai réussi à vous donner des petits conseils. Que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de pouce bleu pour ceux qui sont jusque-là. N'hésitez pas à marquer hashtag moi dans les commentaires. C'est vrai cool. Ciao, ciao.